suis-moi. Viens. C'est quoi ça? Ah, le petit pistolet que j'ai eu de nouveau. Le nouveau pistolet. Ah, il y a des plantes jaunes aussi. C'est quoi cet avant-poste où ils détiennent Lisa? Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vaas contrôlent tous les environs. Donc va falloir qu'on se batte. Oui, mais ça en vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre Vaas. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes aux pirates. Alors il faut reprendre les autres postes. Au Rakyat, la zone devient plus sûre. Aux pirates. On peut voyager plus vite et des occasions de développer des compétences de guerriers apparaissent. Qui est dans la voiture? Des guerriers Rakyat, de vrais Rakyat, qui vivent au cœur de l'île. Donc devant nous, c'est des alliés. Moi, grâce à ton tatouage. Écoutez, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du camp d'esclaves. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Allons-y. Moi aussi. J'ai été un étranger ici. Tu n'es pas seul, mon ami. On va attendre que tu lances l'assaut. Je peux pas sortir du véhicule. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je crois que les contrôles me font un peu chier là. Contrôle. Ok, tout est sous contrôle. Jeu de mots. J'arrive pas à sortir. Putain. Si je fais. Je peux pas changer de véhicule non plus. De position dans le véhicule. Je vois une tour là-bas. Ouais, je vais faire un restart, je crois. Hein? Restart mission. Putain. J'ai comme glitché dans le véhicule. Faut se dépêcher, faut que j'aille sauver la demoiselle. C'est pas cet avant-poste où ils détiennent Lisa. Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook. Oui, je sais. Grâce à eux, les pirates de Vaas contrôlent tous les environs. Ça aussi, je sais. Va falloir qu'on se batte. Oui, mais ça en vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre Vaas. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes aux pirates. Alors on reprend les outposts, ça me donne un point de fast travel de plus. Et des occasions de développer des compétences de guerrier. Et des missions peut-être. Qui est dans la voiture? Guerriers Rakyat, de vrais Rakyat, qui vivent au cœur de l'île. Ils sont froids en toi grâce à ton tatouage. Écoutez, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du camp d'esclaves. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Allons-y. Moi aussi. J'ai été un étranger ici. Non mais tu me niaises là ou quoi? Tu n'es pas seul, mon ami. On va attendre que tu lances l'assaut. Je change le contrôle. Peut-être si je change le bouton et je le remets après, peut-être. De réagir. Avec le classique. Ben voilà. Crafting notes, non, pas besoin. Ok, on va replacer nos contrôles. Si je veux pas me faire tuer. Il se passe ça à quoi? Décider d'attaquer le front, de les éliminer à distance ou de t'infiltrer. C'est ton choix. Je vais. Hey, l'ami. Oh, weapon selection.
Je vais y aller pour le pistolet. Hein. C'est pratiquement la seule chose que j'ai. Donc il y a des munitions ici au cas où. Ok, alors c'est parti, on va... Lisa, j'arrive. Eh oui. Donc la caméra, comme on vient de voir, c'est... Je crois que c'est pour taguer les ennemis pour qu'on puisse les voir plus facilement. Et on voit leur classe et un peu l'arme qu'ils portent, donc on sait ce qu'ils vont... on sait un peu ce qu'ils vont faire avant d'attaquer. C'est le putain de chien qui va me... il va me trahir. C'est stressant ça. Alors je vais essayer de... Je vais essayer de faire plus furtif aussi que... Je suis plus un joueur furtif que attaque de front, disons. Alors comme là, on vient de voir qu'il a tagué comme étant normal, donc il va être... de bas, il va être standard dans le fond. On a aussi Charger qui va être attaqué en combat rapproché. Et le Sniper RPG qui va être plus à distance, et le Heavy qui est... qui est en armure plus grosse. Alors le fait de les taguer, ça permet de les voir à travers les murs. Putain, le chien, il est pas très loin, on dirait. On va voir quand il va se retourner. On va pouvoir aller le tuer avec la machette. Allez, putain. Un de moins. Lisa, je suis là. Dégueu. Oh putain, il avait sûrement une arme lui. Ça y est, ma furtivité est disparue. Boum! Et voilà. Alors, c'est ce qui termine l'épisode 2 de Far Cry. Magnifique. Lisa, où es-tu? Oh putain. L'avant-poste près d'Amalek
Maquis a été attaqué. Où est la prisonnière américaine? On l'a perdue. Quoi? Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île. Je t'en dirai plus quand on y sera. Oh, au moins, est en vie. Jason, tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier. Je m'en sacre. Lisa. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Hein? Chez le docteur Hernard, à l'ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. À l'ouest? Vous savez de qui il s'agit? Non, mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Ok. Bon bleu torse, Jason. La tribu est très impressionnée. Est-ce que je peux rentrer là? Oh, alors j'ai une nouvelle place pour me fast traveler, si on veut. C'est ici. Donc j'ai un outpost. Donc, j'ignore ce que c'est. Memory card, c'est pour saver, j'imagine. C'est quoi ça? Ok, donc c'était un petit secret de... Un petit item secret. J'ai débarré une arme. Pas une arme, un point de compétence. Alors, c'est ce qui termine l'épisode 2, comme j'ai dit. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, puis à partager et liker pour me donner un petit coup de pouce. Alors, merci d'avoir regardé et on se revoit à l'épisode 3. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.